Alors, excusez-moi, je ne savais pas que ça y est, on était en direct. On s'excuse, on a eu un petit problème technique, donc désolé pour le retard. Je suis très très contente de vous retrouver pour ce live de l'Académie de Grenoble qui va nous parler d'engagement encore une fois. Donc là, on est plusieurs aujourd'hui. Je suis très contente de vous voir, jeune éco-délégué. Je ne vous avais pas encore rencontré. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement militant. Alors, pourquoi on a appelé ça engagement militant alors qu'on voulait parler des éco-délégués? On a appelé ça engagement militant parce que on s'est dit qu'il fallait qu'on explique à tout le monde que dans le lycée, dans le collège, il y avait plusieurs façons de s'engager. La semaine dernière, on a parlé de l'engagement plutôt associatif, c'est-à-dire s'engager dans une association type la Maison des lycéens, type l'association sportive dans les établissements. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement plutôt effectivement militant parce qu'on est sur des convictions. Quand on veut devenir éco-délégué, c'est que on a des désirs de lutter pour le respect de l'environnement, mais pas que. On a des désirs de travailler sur les objectifs de développement durable, sur le mieux-être, la construction d'un monde meilleur, j'ai envie de vous dire, hein. Et en tout cas, vous nous l'expliquerez quand vous témoignerez. Du coup, dans le lycée, dans le collège, on peut s'engager en étant éco-délégué et donc en ayant un engagement qui soit pas associatif, comme dans une association, une EMDL, qui soit pas forcément politique, c'est-à-dire qu'on passe pas forcément par les élections. Et pourtant, on a quand même envie de s'engager pour défendre des idées, pour mettre en place des choses et des projets. Et du coup, si on n'a pas envie d'un engagement associatif, ni politique, les élections, etc., on peut s'engager quand même. On peut quand même monter des projets, on peut quand même faire des choses, on peut être éco-délégué. Alors là, je suis avec... Dites-moi, présentez-vous. Allez-y les filles, on va commencer par les filles. Pas du tout parce que c'est des filles, mais parce que en fait, elles sont à ma droite. Pardon. Allez-y. Bah, bonjour, je suis Julie Monnier, je suis une élève de terminale au lycée Argouges et du coup éco-déléguée. Bonjour, moi c'est Judith, je suis aussi au lycée en Argouges en terminale. Ouais, n'hésitez pas à parler fort pour qu'on vous entende bien. Et puis? Et moi, du coup, je suis aussi au lycée André Argouges et je suis Alexis Rodriguez. Alexis, t'es éco-délégué toi aussi? Aussi. Ok, super. Donc, ce qu'on a envie de savoir en fait aujourd'hui dans ce live, hein, Alexis, par exemple, on commence par toi, c'est comment ça se fait que tu as eu envie d'être éco-délégué toi, Alexis? Ben moi, j'étais déjà engagé de manière extrascolaire dans l'environnement. Et donc, du coup, quand on m'a proposé de faire éco-délégué, ben, je me suis demandé d'abord qu'est-ce qu'on allait faire au sein du lycée en tant qu'éco-délégué. Et donc, j'en ai discuté avec certains de mes professeurs qui étaient au courant de ce développement-là. Et ils m'ont proposé d'organiser une semaine de l'environnement. Et donc, du coup, ben, moi, ça m'a bien plu. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire éco-délégué pour aider à organiser cette semaine et pouvoir partager à plein d'autres jeunes de mon lycée l'écologie, entre grands guillemets, et plein d'autres choses. Voilà. Bah ouais, je comprends. Du coup, ça t'a permis de travailler un petit peu en équipe, de monter des projets et puis de défendre une cause qui t'intéresse. En fait, c'est ça, non? Ouais, bah, avec Julie et sa camarade, j'ai encore oublié son prénom, c'est pas grave. Et bah, on a pu faire pas mal d'actions. On a rencontré un apiculteur dans notre lycée, le cantinier a pu nous expliquer les menus qu'il faisait, etc. Plein de choses super cool. C'est bien, du coup, effectivement, c'est bien tout ce qui nous intéresse hein, dans l'engagement, c'est effectivement de se retrouver ensemble, de partager une expérience commune, de faire en sorte de défendre un peu nos idées, de monter des projets, de se mettre aussi, évidemment, au service d'une idée, de l'intérêt général, parce que quand on monte un projet comme ça, c'est pour nous et pour les autres, hein. Mais c'est clair. Est-ce que tu as développé des compétences, Alexis? Tu dirais que tu as développé des compétences dans cette expérience? Bah, je me suis vachement amélioré à l'oral pour parler devant des gens, parce que du coup, dès qu'on a entre midi et deux, on avait des rassemblements
avec tous les élèves du lycée dehors. Et chaque fois, on parlait d'un thème. Et donc, sur certains moments, moi, je parlais devant un petit nombre d'élèves. Et donc, du coup, ça m'a permis de me projeter, entre guillemets, d'apprendre à parler devant d'autres personnes. Et puis, donc, du coup, oui, ça m'a permis de mieux comprendre le travail d'équipe et plein de choses comme ça. Donc, c'était bien. Tu dirais que c'est une expérience que tu regrettes pas, que tu regrettes, que tu as envie de renouveler, tu dirais? Ah non, pas du tout. Pas du tout, je regrette pas du tout cette expérience. Moi, je pense que même cette année, bientôt, là, on va avoir la semaine du droit, je crois, ou la semaine du vote, quelque chose comme ça. Et oui, il y aura les élections. Et je pense que je me représenterai à ce moment-là. En tant qu'école déléguée, en tant que membre du CVC, du CVL, pardon, aussi. Merci Alexis. Et vous, alors les filles, peut-être vous avez envie d'ajouter des choses. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez eu envie d'être éco-déléguée. J'ai découvert les éco-délégués juste l'année dernière, pendant mon année de première. Et quand les professeurs ils nous ont proposé de devenir éco-délégués, c'était un peu une évidence pour moi, si je puis me permettre, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et me dire qu'au sein du lycée, on pouvait faire des actions pour tous les autres gens de notre âge, ça m'intéressait vachement. Du coup, pourquoi pas, et je me suis lancée dans cette aventure. Moi non plus, je ne regrette pas. C'est une vraie expérience qui nous enrichit beaucoup. On rencontre de nouvelles personnes, on discute avec elles et on monte un projet ensemble. Et du coup, c'est vraiment des moments de partage à chaque fois qu'on se réunit. Et sur une cause qui, pour nous, en vaut la peine. Du coup, c'est vraiment très agréable d'être éco-délégué ici à Argouges. Merci beaucoup. Et puis bon, alors, moi, les éco-délégués, je connaissais du collège déjà. J'avais déjà été éco-délégué. On va dire que l'année dernière, c'était la première année où on avait vraiment fait des actions. Et on a beaucoup parlé de la semaine de l'écologie, mais on a aussi fait d'autres actions, notamment du social. Parce que l'écologie, c'est important, mais ça englobe aussi tout l'aspect social et tout ça. Et du coup, on a fait une heure par semaine avec des élèves nouvellement arrivés pour échanger avec eux, leur apprendre des nouveaux mots de vocabulaire français qu'ils n'avaient pas forcément. Mais c'est vraiment une expérience enrichissante. Et moi, je me relance dans l'aventure cette année, c'est sûr. Génial. Alors moi, j'ai envie juste de préciser qu'aujourd'hui, on a appelé ce live l'engagement militant, mais évidemment, on peut être éco-délégué, avoir été élu, parce que normalement, dans les classes, l'éco-délégué, il est élu. On peut être éco-délégué et être volontaire. On peut être éco-délégué simplement parce qu'on a envie de effectivement s'engager plus. C'est ce qu'on disait dans un engagement militant. Mais du coup, on peut avoir ce que disait Alexis, un engagement politique et militant. Parce que ce qui est intéressant, quand effectivement on est membre du CVL, on en parlera plus la semaine prochaine, mais ça veut dire qu'on peut être un éco-délégué aussi qui vient proposer au chef d'établissement dans le cadre de l'instance des actions très concrètes, ou alors effectivement on peut le faire dans le cadre d'un club. En tout cas, il y a plein de possibilités, mais ce qu'on retrouve tout le temps, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire le fait d'être ensemble, le fait de faire ensemble, de monter un projet qui soit porteur d'idées fortes et qui effectivement amène du mieux-être dans l'établissement. Est-ce que vous pensez qu'effectivement les projets que vous avez mis en place, ils ont, alors je ne sais pas comment le dire, est-ce qu'ils ont servi à du mieux-être, à faire en sorte de faire prendre conscience des choses aux autres, à lutter pour le respect de l'environnement? Je ne sais pas, expliquez-moi en fait. Vous avez eu l'impression d'avoir quelle action fondamentalement? Pour moi, nous on avait, avec Judith et Julie, on a organisé une semaine de l'environnement. Enfin, dans la semaine de l'environnement, du coup, ça nous a permis d'ouvrir aux différentes classes un regard sur certaines parties de l'écologie, ainsi que qu'une green walk. Donc on s'est baladé de notre lycée jusqu'au parc Paul Mistral, qui est du coup au plein milieu de Grenoble, pour nettoyer les rues ainsi que le parc, avec des sacs poubelles, des pinces et toutes sortes d'accessoires dédiés à ça. Et donc du coup, ça, ouais, c'était super, parce que ça a appris, enfin ça nous a
nous a permis d'apprendre aux gens que jeter un paquet par terre, bon, c'était déjà assez imprégné dans la tête des gens, mais ça a renforcé le message, ça leur a montré que même des élèves étaient capables de leur faire comprendre ça aussi, qu'il n'y avait pas que des adultes derrière qui rabâchaient tout le temps à redire faut pas jeter ça par terre, etc. Puis aussi, on a tous un peu des connaissances à nous qui nous sont propres et que les autres ne connaissent pas forcément. Et du coup, pendant cette semaine, ça nous a permis de partager avec les autres élèves du lycée nos connaissances et notre spécialité, on va dire. Par exemple, il y en a qui étaient très dans la marche pour le climat. Il y en a d'autres qui étaient plus, par exemple, on a réalisé des fresques du climat. C'est un jeu. Et qui permet de mieux comprendre le changement climatique. Mais aussi, on avait des ateliers sur les ruches. Du coup, les élèves ont pu apprendre un peu plus sur les abeilles. Et du coup, c'est vraiment des petites choses comme ça qu'on a ajoutées à leur connaissance pour mieux qu'ils comprennent ce phénomène, on va dire, du changement climatique. C'est très important ce que vous dites, hein. Ça veut dire qu'effectivement, là, ce que vous montrez, c'est que vous avez eu une action pour de vrai, non seulement en faveur effectivement de la prise de conscience, mais en plus une véritable action dans le cadre effectivement du respect de l'environnement. Quand vous parlez des actions que vous mettez en place, vous avez effectivement une vraie marge de manœuvre et une vraie action. Ce que je voudrais dire, moi, à tous les lycéens, lycéennes qui s'interrogent sur... Mais on nous parle de changement climatique, on nous parle de toutes les difficultés autour de l'environnement, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Alors ouais, les éco-gestes un peu tous les jours, le tri sélectif, tout ça. Mais c'est vrai qu'on est un peu tous là à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah là, en fait, ce que vous montrez aujourd'hui, par l'intermédiaire de votre engagement, c'est que effectivement, on peut faire des actions de ce type-là, on peut s'engager dans ce genre de choses parce qu'on défend nos idées, nos convictions, parce qu'on a envie d'avoir une action dans cette affaire de changement climatique concernant tous les enjeux du 21e siècle, pardon, c'est pas simple. Et puis non seulement ça sert aux autres, non seulement, effectivement, quand vous vous engagez, vous vivez une expérience collective, mais en plus, ça vous sert à vous. Vous l'avez dit, vous avez développé des compétences. Alors, Alexis, il disait des compétences à l'oral. Julie, vous avez dit... Julie, Julie. Ouais, voilà, excusez-moi. Vous disiez quoi au niveau des compétences que vous avez développées ? Ça vous a amené quoi, tout ça ? Oui, le partage, la collaboration aussi, et vraiment se lancer et ne pas avoir peur de ce qu'on pense et de tout le temps aller au bout de ses projets, d'y croire. Ouais, c'est super important, je crois. Mais écoutez, je sais pas, vous avez quelque chose à ajouter ? Alors, on a des questions. On nous demande effectivement comment ça se passe au niveau de l'organisation des réunions. Quand on fait un projet comme ça, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps ? Comment vous êtes organisé au niveau des réunions ? Bah, on avait fait... Tu veux parler, Judith ? Vas-y, Alexis. Ok. Bah, nous, on a fait deux types de réunions. Il y avait dans notre lycée, on a un internat. Donc, les internes, eux, pouvaient se réunir à 17h. À la fin des cours, la plupart du temps, sur 17 et 18 heures ou plus tard, ça dépendait parce qu'ils étaient internes, donc eux pouvaient se retrouver facilement. Et avec le reste des élèves, quand on voulait faire des réunions groupées avec tout le monde d'un coup, la plupart du temps, soit on préparait une salle et c'était, on avait un rendez-vous spécial et puis ceux qui pouvaient venir venaient. Soit monsieur notre CPE nous banalisait un cours pour qu'on puisse être tous là à ce moment-là quand on faisait des grosses réunions un peu avant la semaine de l'environnement pour être tous là, tous prêts. Et sinon, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que pour cette année, on se donne rendez-vous entre midi et deux au self. On prend une table et on essaie de tous parler de discuter comme ça. Ça nous permet de manger, être tranquille et puis en même temps de discuter des projets qu'on veut aborder pour cette année. Voilà. Après, il faut savoir que... D'accord. Vas-y, parle plus fort. Pour la semaine de l'écologie, dès le début de l'année, on s'est donné un rythme de réunion qui est une fois toutes les deux semaines. Ouais.
Et on a essayé de garder ce rythme. Alors, il y a eu des fois où on s'est plus vu, des fois où c'est moins vu. Mais en général, enfin, il ne faut pas se dire que ça prend pas juste un mois avant l'événement. C'est vraiment, ça nous a pris plusieurs mois à l'avance pour pouvoir bien tout préparer. Et avoir des réunions comme ça aussi, ça permet de consolider les projets et tout ça. Mais en dehors des réunions, à part y réfléchir, on n'avait pas forcément toujours des choses à faire. Ouais, et aussi les réunions régulièrement avec un rythme, c'est très important parce que sinon après chacun part de son côté et on se réunit pas et c'est pas aussi efficace. Donc ce que vous disiez, c'est qu'effectivement les réunions, il faut qu'elles soient bien régulières pour qu'on réussisse à pas se disperser, à pas se perdre, à rester bien cadré, ouais. Mais que pour autant ça vous laissait du temps en dehors et que ça vous a pas pris votre vie entière, quoi. Ça vous a pas pris tout le temps. Ça oui. vous empêche pas d'avoir une vie. Ok, non mais c'est important. Non. Ils ont peur de ça. Est-ce que au niveau de la notation, ça a une incidence ? Alors oui, l'engagement dans l'établissement, en fait, surtout au lycée, c'est très valorisé. Ça veut dire que si vous voulez, quand vous êtes engagé au lycée, que vous soyez engagé dans la MDL, comme on le disait la semaine dernière dans le live précédent, ou comme on en parlera mercredi prochain dans le live du 28 à 17h30, tous les engagements dans le lycée, ils vous font développer des compétences. Ils vous font vivre une expérience qui fait que, du coup, vous devenez quelqu'un d'autre. Là, ils l'ont très bien expliqué tous les trois, hein, le partage, la coopération, la solidarité, la prise de conscience, le fait de passer à l'action au service de l'intérêt général, parler à l'oral. Tout ça, en fait, ça compte dans le livret de compétences, ça compte pour Parcoursup, ça compte dans le bulletin. Et donc, bien évidemment, si vous développez toutes ces compétences, eh ben, elles sont valorisées dans votre parcours, c'est sûr et certain. Et puis vous, vous en servirez en plus. Et puis dans votre CV aussi, vous pourrez mettre une attestation de compétences, pourquoi pas. Il y a aussi des lycées qui délivrent des attestations de compétences. Comment ça se passe, les élections de délégués ? Les élections de délégués, en fait, elles se passent dans les classes. C'est-à-dire que depuis la circulaire de septembre 2020, je peux vous dire que tous les établissements scolaires doivent avoir des éco-délégués. Au moment des élections des délégués de classe, il y a la demande qui est faite dans la classe de qui veut se présenter pour être éco-délégué. Donc, chaque classe a un éco-délégué ou peut-être deux. Et puis, surtout, il y a ce binôme paritaire à l'intérieur du CVC, Conseil de vie collégienne, ou OCVL, Conseil de vie lycéenne, que vous connaissez bien, ce binôme paritaire d'éco-délégués. Donc, chaque CVL, dès qu'il est élu, les élus du CVL se réunissent et là, on se choisit un binôme paritaire d'éco-délégués qui vont travailler avec les éco-délégués des classes. Alors, je ne sais pas exactement comment vous avez fait, vous, à Argouges. Alexis, tu faisais partie du CVL, toi ? Moi, je me suis présenté, j'ai fait 3 ans au CVC. Au collège, ce qui fait que derrière j'ai voulu me présenter au CVL, mais c'est pas le même type d'élection, donc j'étais pas prêt à ça, donc c'est pas grave, mais du coup j'ai pas été élu au CVL cette année-là. Je vais me représenter cette année, mais ça c'est à venir. Mais du coup oui, à partir de ce moment-là, ouais, on a fait les élections de délégués de classe comme normalement, et là j'ai été élu éco-délégué, voilà. D'accord. Donc, vous étiez, et les filles, vous étiez éco-déléguées de classe, en fait, c'est ça ? Oui. D'accord. Ok. Après, il y a des lycées qui préfèrent des volontaires dans le cadre d'un club, par exemple. Donc là, on est vraiment sur de l'engagement. C'est ce que nous, on appelait engagement militant. Bon, c'est peut-être pas le super mot, mais si vous voulez, on voulait vous montrer, en fait, qu'il y avait plusieurs formes d'engagement et que tous les engagements, ils étaient intéressants et tous les engagements, ils permettaient de faire vraiment l'expérience du vivre ensemble, des projets, et de se mettre vraiment dans des dynamiques qui sont très intéressantes, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose, nos témoins d'aujourd'hui ? Pas spécialement. Bah, si vous avez envie de vous engager, bah, devenez éco-délégué. Oui, ça doit être ça qu'il fallait dire. Ouais.
et rejoignez les équipes dynamiques. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce live. Je vous donne rendez-vous mercredi 28 à 17h30. On parlera du CVL. À très bientôt.